Eh bien bonjour tout le monde, aujourd'hui on part au bon goût du Japon. C'est le bon goût du Japon, c'est bon le Japon, et vous allez voir c'est une petite, voilà, c'est un petit salon sur le goût du Japon, c'est sympathique, l'entrée de 2 euros, quasiment gratuit, on passe un petit moment sympa là-bas, c'est en plein milieu de Paris, à côté, pas trop loin de l'hôtel de ville, on se retrouve là-bas directement, bonne visite. Du saké de chez Dasai. Tiens, madame. Bon, ben, je prends, je te rappellerai. Du karaage. Ça va être des huîtres chaudes. Ça, ça, ça plutôt. Non, ça et ça, les deux. Je vais prendre ça. Florence. Oui, j'ai vu. Florence. Konomiyaki. On est très glace. On est trop glace. C'est assez différent. Par exemple, là, c'est une marque de Saitama, un peu juste au-dessus de Tokyo, par exemple. J'ai des espèces. Lors de la fête traditionnelle, pour les filles. Kagoshima Matcha. Shiitake, le poke dama. Très très beau. Je prends la carte.
je me rapatrage d'ici. Bah si, il y en a un. L'umami soup, c'est quoi l'umami soup? Voilà, justement, c'était une très très bonne question. Merci beaucoup. Spa, oui. Cette... Et là, en fin de compte, ça c'est un produit, c'est seulement ce que vous avez vu, le riz sans légumineuses, avec de l'eau et du sel. Et ça c'est fait pour macérer les viandes et les poissons. Kakidoshi. Allez.
c'est bon le Japon, c'était vraiment très bien. Vraiment beaucoup de choses à tester. Vous aviez vu aussi que j'ai testé les kakis de Hiroshima. Je rappelle, les kakis, c'est des huîtres très très bonnes, donc à manger chaude, c'est vraiment excellent. Et vous avez aussi des ninjas, c'était très bien pour les enfants, un petit spectacle. Et avant, il y avait une documentation sur les ninjas, un peu plus sérieuse cette fois, qui était pas mal non plus. Alors j'espère que vous allez pouvoir y aller quand ça reviendra. C'est tous les ans, à la même période. Et c'est vraiment sympa. Ça coûte 2 euros l'entrée, c'est deux fois rien, vous pouvez y aller. Allez, on se retrouve sur la prochaine vidéo qui parlera de je ne sais pas encore. Allez, bye bye.